Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Xa, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui donc on se retrouve pour un UHFFA 666. Donc c'est tout simplement un event créé donc pour les 666 abonnés de Stelios, Kantos. Bref, avant que je continue les explications, juste je vous mettais pause là si vous voulez voir le tab, donc pour voir les participants, tout ça, tout ça. Donc il y avait pas mal de monde quoi, donc il y avait Wolf, Pib, enfin plein de gens, c'était un event assez fou, on était 50 quoi. Enfin bref, voilà, pendant ce temps, donc je me stuff tout ça, vous connaissez les bails maintenant. Donc je vais vous expliquer vite fait en quoi consiste cette UHC 666. Donc en gros, c'est un UHC donc un UHC de base avec le Diamond Blood. Alors en fait, c'est quand on mine un diamant, on perd un demi-cœur, voilà, c'était les règles de Satan. Enfin bref, également c'est un Eternal Knight, sinon c'est pas drôle. Et puis voilà, donc je me stuff plutôt simplement. J'ai récupéré deux fils sur une petite araignée. Du coup, je me décide d'aller dehors pour en récupérer une autre. J'ai perdu au final deux cœurs, donc c'est plutôt rentable hein, pour deux cœurs. Ça me permettra de bouffer une petite pomme. Et puis voilà. Donc il y a plein de règles. Je vais y revenir maintenant vu que bon là vous avez un grand accéléré. En fait, j'ai été full faire. Je me suis dit soit ils vont aller dans le Nether, soit ils vont aller en 0-0, vu que j'avais déjà fait pas mal de HC avant, enfin 2 ou 3 quoi. Et donc je me suis dit allez, pourquoi pas y aller, parce que bon il y a toujours des gens qui vont aller en 0-0, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc en fait c'est un UHC assez strict, du coup vu qu'on est 50 on peut pas, voilà, il y a des règles assez strictes et c'est normal quoi, il faut les suivre. Notamment qu'il ne faut pas miser Mineopti en dessous de la couche 32. Enfin voilà, il faut miner dans les grottes, tout ça, enfin bref, voilà, c'est des règles, parce que sinon tout le monde minerait outils, des gens ressortiraient full diam, ça va, c'est un peu chaud quoi, forcément, donc voilà, donc ça favorise le PvP, donc bref, je vais en 0-0 et je vois que c'est une roue forest, de nuit, en Eternal Night, tu vois, genre on se met bien quoi, enfin bref, voilà, c'est... Voilà, hein, c'est pas mal quoi. Bref, donc du coup, je vois qu'il y a personne en 0-0, genre bonjour, là petit Skype, hein, voilà, c'est-à-dire que je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai rajouté quelqu'un, comme j'ai oublié de le couper à montage, c'est pas bien grave. Donc voilà, oui, dans la game, donc j'étais avec Obusa et Yo-Yo Kong. Donc voilà, oui, juste avant que je passe aux vraies actions. Donc là, en fait, voilà, donc je vais aller dans le Nether parce que je me dis il n'y a personne dans 0-0. Je vais vous mettre en fait l'IP du serveur. Donc il y a des UHC assez souvent. Le mieux c'est de suivre Pibs, Stivix, Gep, Stelios, Wolf. Erwin, je sais pas trop, enfin voilà, un peu tout le monde sur Twitter pour être au courant des prochains UHC, on va dire un peu event comme ça, et sinon ils vont relancer un serve, donc au moment où je parle, au moment où cette vidéo sera postée d'ailleurs, donc le vendredi à 20h, il y aura un petit UHC de lancement, enfin bref, voilà, donc ça sera cool. Donc bref, je vais dans le Nether, et comme je me suis pas trompé, il y avait des gens, donc du coup il y avait un petit mec, donc je lui mets, non, je lui tente de lui mettre des flèches, puis au final il va un petit peu se barrer. Je voulais pas trop troyer parce que moi j'avais perdu deux coeurs, je voulais surtout un petit peu essayer de le faire reculer parce que bon, on était près du portail, même si je l'avais cassé, je me doute bien qu'il allait avoir peut-être d'autres gens. Donc là j'essaye de voir par où je peux essayer de le contourner. Il y avait le Blaze également qui m'a fait assez peur. Je regardais, oui, si les portails ne s'activaient pas, tout ça. Donc là je vais mettre un petit accéléré, tout simplement, il va pas durer longtemps. Hop, je vais juste revenir et là en fait voilà, je vois un petit mec. Donc je vais arriver au Kamzer Citizer. Hop, donc là il a pris feu par le Blaze, je crois, oui, il a pris feu. Je vais bien m'appliquer, je vais lui tirer une flèche et il va tomber en fait, voilà. Donc ça me fait un petit shield plutôt sympathique, on va pas se cacher. Donc là je faisais gaffe, donc il n'y avait pas le mec. Au final le mec il y était pas, tu vois, donc c'était plutôt cool. Donc je vais essayer d'aller récupérer son stuff en espérant que personne ne tombe dessus pour l'instant. Donc du coup je regarde, il y avait des trucs sympas, genre des diamants. Alors oui, je sais, j'ai jeté une pioche en diamant, je crois, à un moment, enfin bref, c'est pas bien grave. Donc je récupère deux diamants, également une épée en diams, je récupère quelques flèches, je crois, enfin bref, je sais plus quel j'ai récupéré, mais bon, c'était quand même assez rentable. Deux pommes également, donc c'était plutôt cool. Enfin bref, au moment où j'étais en train de trier le stuff, donc en haut, qui n'avait pas tombé, je vois un autre mec arriver, donc je lui mets une flèche, deux flèches, je crois, puis il va commencer à partir. Donc là où j'ai cru que c'était un petit mec, mais non, en fait c'était juste un pig qui venait spawn. Donc là j'ai cru qu'il allait repasser le portail, au final non, je savais pas en fait s'il allait dark, du coup je me suis dit, allez, on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. Je me suis dit, bizarre qu'il n'y ait pas d'arc non plus. Mais enfin bref, c'est pas bien grave, vu que là, hop, il va avoir un arc. Il va me tirer une flèche, hein, ça va m'enlever deux cœurs. Hein, voilà, vendre au maximum, c'était vraiment très très chaud.
Donc là, j'essaye de retourner là sans tomber, hein, bien évidemment, parce que là, ça serait dramatique. Donc je regarde vite fait le stuff. En fait, je voulais essayer de récup un peu de stuff fer. Je me suis dit, ouais, si j'arrive à faire peut-être les enchants, il y avait une enclume, enfin bref, il y avait des trucs de genre canne à sucre, tout ça. Mais bon, j'avais vraiment peur en fait qu'il se barre. Et donc, du coup, là, je le voyais plus. Donc j'étais en mode putain, il s'est barré. Enfin voilà, ouais, j'aurais pas dû être sauf. Et au final, je le vois. Et là, il va mettre une jolie flèche qui va me baisser encore un cœur. Mais je lui en ai mis une entre au même moment. Donc au final, c'était plutôt worse. Hein. Donc du coup, là, je le vois. Donc là, je peux pas lui mettre de flèche. J'étais à 5 coeurs, lui donc c'était today, donc de mémoire, oui, ouais, c'est today. Donc je ne sais pas combien il est. Je sais pas trop, vu que je fais pas table, je n'arrive pas trop à voir. Enfin bref, je pose un petit sous de lave, mais bon, il va se poser en mode à la zone, quoi. Donc il s'est pas posé en ses talents. C'est au cas où il montait, parce que j'entendais le bloc se casser, donc je savais pas si c'était lui ou un autre qui venait. Enfin bref, c'est pas bien grave, je reste sur mes gardes, je fais gaffe au portail également, parce qu'il y en a un qui est pas bouché et qui pourrait peut-être respawn. Donc là, je vois le sortir de la terre, donc je lui tire une flèche. Et donc là je vois qu'il se cache, donc je tente une flèche également. Il faut bien préciser également que le serveur bug un peu, mais pour l'instant ça se ressent pas tellement, les lags ça va se sentir plutôt après, mais par exemple sur cette flèche on peut voir que la flèche part un peu après. Enfin bref, donc je pose un saut de lave, il va boucher tout de suite en mode shaper. Là il hop il pose un. On voit qu'il y a assez des fois, il essaye de remonter un peu tel une taupe comme ça, incroyable. Donc il y a encore un petit blaze, hein. Heureusement il m'a pas touché, j'essayais de pas trop faire gaffe à lui. Hop, donc là il va reboucher bien évidemment vu que je lui tire une flèche. Là je vais regarder à combien il est le poteau, hein, bien évidemment. Genre très bientôt, et puis là, ah oui, donc je mets un petit saut de lave, et puis là je casse en dessous histoire de voir si ça arrive. Au final ça arrive dans sa grotte. Donc je sais pas s'il a pris feu ou quoi, je pense qu'il serait mort, hein, s'il avait pris feu. Donc je recouvre tout, là je le vois sortir. Et donc je vais lui tirer une flèche. Donc il a pris un peu de retard également. Et là je le vois, il est à un cœur et demi en fait. Et moi donc j'étais à 3 cœurs et demi. Donc c'était plutôt pas trop mal. J'étais dans un bon avantage, on va dire. Donc là je commence à casser et là je le vois. Hop, il est là, bonjour. Puis là il va reboucher un peu à l'arrache. J'avais très peur. Et au final il était juste là et j'avais juste à lui mettre un petit coup d'épée. J'avais très peur au sol là, mais pas mal. Donc j'ai récupéré pas mal d'or. J'ai deux têtes, donc ça c'était quand même plutôt bien. Je vais pouvoir pas mal me régénérer vu qu'il me manquait vraiment de la vie assez rapidement. Le type qui m'a fait peur, hein, on va pas se le cacher. Donc je vais essayer de bouger, puis je vais faire balai en fait finalement. Donc voilà, ça m'a saoulé. Bref, donc je trie tout le stuff, je me fais les pommes. Je vous ai passé souvent parce que voilà, les frérots, moi c'est long, ça me casse les dents. Donc je remonte en haut et là en fait je vais voir un petit mec en bas. En mode bonjour, voilà. Donc je tente une flèche, allez hop, au cross de world. Là on peut voir donc les TP, donc le lag commençait un peu à lag pour une minute, ça allait pouvoir laguer simplement parce que en Eternal Night déjà il y a beaucoup de gens dans les heures, donc la génération peut être plus ou moins buggée. Puis je ne sais pas trop pourquoi le serveur ailleurs fait du mal en fait, tout simplement. Donc du coup, en voyant les lags, tout ça, et puis qu'il y avait une épée en champ, tout ça, j'ai pas voulu prendre de risque. Et puis je me suis barré au Kalmzer. Donc de l'autre côté, je vais casser le portail à la Bing. Et puis là, alors une belle surprise. Ah mais non, c'est pas ça la surprise. C'est que voilà, je réapparais proche du 0-0. Donc du coup, là, je vais me déplacer. Voilà, on est à une centaine de blocs du 0-0. Je vais me déplacer plutôt au calme. Et puis là, hop, on va bientôt. Ah non, on ne voit pas tout de suite. Excusez-moi, on ne voit pas tout de suite. Hein. Voilà, hop, il est là-bas. Vous l'avez vu, le pipe sauvage. Non, vous l'avez peut-être pas vu, mais enfin bon, il est là, voilà. Donc là, je rencontre Pib. Donc Pib n'était pas super bien. Il laguait pas mal. Et puis il n'avait pas énormément de vie. Donc là, j'étais un peu en train de le chercher. Mais je vous avoue que dans la forêt, c'est pas facile déjà de jouer à l'arc. Et en plus de nuit, bon, c'est voilà, c'est un peu dur, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, moi je le voyais vraiment pas. Là, donc je vois, il tire des flèches, donc vraiment, je l'avais vraiment pas vu, quoi. Donc là, il y a l'araignée qui, voilà, pas eu forcément me toucher. Donc là, je bouge la Golden Head qui me récup 4 coeurs, oui, donc la Golden Head récup 4 coeurs. Hop, donc je vais tirer une petite flèche plutôt au calme.
Donc je le touche, mais il me touche également. Donc je vais regarder vite fait. Donc je vais essayer de monter, oui. Parce que pour essayer de prendre de la hauteur, puis là je sais pas où il est parti en fait. J'étais en mode putain, il vole la tête, le mec, il n'a pas le temps. Puis je le vois, il est à 6 coeurs et demi. Et moi j'étais fouillé avec encore une pomme et un cœur d'absorbe en plus. Donc je me dis, il y a potentiellement. Il y a potentiellement moyen, excusez-moi. Donc voilà, donc là je le cherche en fait, je sais pas, peut-être que vous l'avez vu, mais moi-même en regardant là, ouais, non, je vois pas. Et puis là, hop, le puis au moment où je vois le mur en fait, bah, je vois une petite flèche au camzer, donc j'ai essayé d'y aller. Donc j'avais un demi-cœur en moins, je me suis dit, ouais, est-ce qu'il faut prendre la pomme, ça serait bien d'être full vie. Donc là, je vois donc il tend son arc. Donc les flèches qui me frôlent là, vraiment. Puis là il va me toucher avec une flèche, il va me retoucher encore avec une flèche. Donc je sais pas, son arc n'était pas enchant, mais il faisait assez mal. Bref, il m'enlève 2 coeurs et demi, puis 4 coeurs. Enfin voilà, il va me mettre un 4 coeurs. Là on peut voir la flèche du lag, hein, vraiment, qui m'a rebondi dessus. Puis il me remet une flèche, donc je suis à 4 coeurs. Donc là je me dis vraiment, je suis pas bien. Donc là je commence un peu à le shooter à l'arc. Je me dis que ça sert à rien d'y aller, traverser l'eau c'est impossible. Donc voilà, donc essayer de me tenir à distance. Et puis là, en fait, j'ai vu une petite opportunité, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas passer par là, on verra bien. Donc je passe, j'arrive encore à utiliser les flèches, là on peut voir qu'il se TP, mais c'est assez ouf. Là, il pose un petit sous-lab, puis là, j'apparais derrière lui, et hop là, je mets un petit coup, et donc il meurt. Donc c'était assez buggé, hein, je vous l'avoue, c'était assez buggé. Mais bon, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Au final, voilà, j'aurais perdu 4 coeurs, mais bon, c'est pas non plus super grave. Mais les lags commençaient vraiment à être vraiment chauds. Voilà, donc vous pouvez voir dans le chat. Ouais, voilà, donc c'est les lags de son propre cerf. Donc, ouais, désolé, Pib, mais c'était assez chaud. C'était chaud patate. Bref, donc il avait le loot, un arc en fait, sur moi, puisqu'il était tout. Il avait pas beaucoup de durabilité, son arc. Donc voilà, donc je regarde vite fait le stuff, et puis là je vois un petit mec en fait là-bas, ouais, voilà, au loin, donc qui était plutôt au calme, il a cru que je l'avais pas vu, donc du coup je décide d'y aller, je me dis, ouais, bon, tant pis, il manque de d'or quoi. Là j'avais pas vu l'araignée MDR, bon tant pis, hein, genre bonjour, et là en fait cet endroit c'est là où j'étais passé au début, et vous allez voir si vous remontez donc le record d'avant. Je vais pas vous le dire tout de suite, voilà, donc là je vois un mec, donc là il y avait le portail, donc juste derrière, je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, voilà, je sais pas trop. Donc au final je lui tire dessus, je lui mets une flèche, voilà, je sais pas trop, je suis très hésitant. Hein. Et puis donc du coup là il commence à me rush. Donc je me dis, ah, ça va faire mal, donc je mets un sous-glave, donc il se le prend, et il met directement un pseudo derrière, du coup ça n'a pas fait énormément effet, et là, boum, le lag. Bonjour. Ouais, alors le zombie m'a mis un coup, lui m'a mis deux coups, enfin j'ai rien compris, mais alors vraiment, genre il m'a atteint demi-cœur, genre le demi-cœur du désespoir, genre vraiment quoi. Donc du coup, je commence à fuir. Et puis là voilà en fait la petite faille du début, vous vous en souvenez, enfin la faille, non même pas la faille, la grotte nulle de 3 blocs, enfin bref, donc j'arrive là, donc je commence à bouffer, je le vois là, au pire enfin voilà, il y avait un autre mec encore en haut, full enchant, donc là vraiment je voilà, ma fin était arrivée, je saute et je meurs. Il me restait un demi-cœur et donc du coup je saute et je meurs. Enfin bref, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo, donc c'était juste pour on va dire un petit kit sympa pour vous faire voir vite fait. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, un petit commentaire, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Voilà, il n'y aura pas eu énormément de kills. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu et bye tout le monde.